wouldn't you say? There's something wrong with kids today. They live on their hats while they're digging that bebop jazz. They pat their lips and shrug. All they wanna do is jitterbug, isn't it so? We're juvenile delinquent wrecks, I know. With our heavy metal comic books and our rock and roll, we wear red leatherettes. We'll be burning. Donc là, tu vas verser, c'est de la limonade, c'est ça? Ouais, c'est ça. Sur tes suprêmes d'agrumes. Ouais, donc on a orange, orange sanguine et pamplemousse. D'accord. Donc c'est quoi exactement ton dessert? Alors, donc c'est une fraîcheur d'agrumes avec purée de carottes vanillées. Super. Et une crème chocolat blanc. On met un crumble cacao avec pour le croustillant et une infusion à verveine et au poivre de Timut. Ça marche. Donc là, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse Là, on les laisse de côté. On les oublie. Et on les prendra directement pour les mettre sur assiette au moment du dressage. Ça marche. Qu'est-ce qu'on fait ensuite, Julien? Donc on va préparer la purée de carottes. D'accord. Tu veux que je te les épluche? Oui, s'il te plaît. Donc là, purée de carottes classique, quoi. Oui. Tu vas quand même la sucrer, j'imagine. Oui, je dis oui, mais en fait, c'est poché dans un sirop orange et vanille. Ouais, parce que même si la carotte... oui, il faut que ça reste un dessert. Voilà, c'est ça, ça reste un dessert. Hop. Les desserts, tu aimes bien les faire? Oui. Oui, j'aime bien les faire. Bah, pour moi, ça fait partie de la cuisine aussi, en fait. C'est la cuisine sucrée. T'aimes bien les manger? Oui. Oui, plutôt. C'est assez gourmand. C'est quoi ton dessert préféré? Alors, je suis pas très chocolat, mais pourtant, mon dessert préféré, c'est la tarte soufflée au chocolat. D'accord. Ouais, avec une ganache chocolat noir. Ça, je trouve ça irrésistible. Donc, un sirop au jus d'orange et vanille. D'accord. Et donc là, tu mets... Les carottes dedans. Et là, on part pour... On compte une bonne heure, ouais. Que ce soit vraiment bien fondu. Ah oui, d'accord. Une bonne heure. Mais t'en as préparé d'avance. Oui, oui, bien sûr. Parce que j'ai pas envie d'attendre une heure pour manger le dessert. Non. Donc là, on laisse ça de côté. On fait quoi pendant ce temps? On va préparer l'infusion. D'accord. Donc là, c'est une casserole avec quoi? Donc, c'est un sirop qui est à 15% de sucre. Donc, 1 litre d'eau, 150 grammes de sucre. Donc, tu m'as dit infusion. Donc, je prends ça, verveine. Oui, verveine, nos agrumes séchés. D'accord. Et ça aussi? Et ça aussi. D'accord. Donc, agrumes séchés, pareil, les mêmes qu'on a mis pour les suprêmes. Mm-hmm. Voilà, on met... Donc là, on va faire infuser. Tu me dis ce que je mets, hein? Ouais, faut être généreux. Hein. C'est vrai? Ouais. Voilà. C'est bien? Oui. Et là, pour le poivre de Timut, je mets quoi? Une pincée, ouais. Comme ça. Comme ça? Encore. Une belle pincée. Une grosse pincée, on va dire. Oui, en fait, c'est une poignée. Une poignée, oui, voilà. Donc là, tu me disais, il y aura quoi? Une ébullition, c'est ça? Une ébullition, et ensuite, on laisse de côté, on couvre. D'accord. Et on laisse infuser. Ça marche. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On va préparer la crème chocolat blanc. Pourquoi t'es parti sur du chocolat blanc? Alors... Pourquoi? Parce que dans ce dessert qui est quand même peu sucré, c'était bien d'amener la dose de sucre par le chocolat blanc. Et le chocolat, on va dire, classique et pas assez sucré, tu voulais vraiment... Oui, le cacao ne se marie pas trop bien avec les agrumes et la carotte. Alors que le blanc, voilà, ça le chocolat blanc, ça va bien, ça amène la douceur. Mmh. Pour toi, justement, dans un dessert, tu dois avoir quoi pour que ça marche? Pour moi, c'est un équilibre donc, et surtout un jeu de texture. Donc, il faut qu'il y ait du crémeux, du croquant et un petit peu de mâche. Donc, là, la mâche, c'est les agrumes. Et voilà, et le crémeux. Donc, D'accord. Et le croquant? Le croquant, donc, c'est un crumble cacao. D'accord. Ici. Voilà, donc là, dans notre lait, on vient rajouter notre gélatine. Mm-hmm. Donc, tu la laisses fondre. Voilà. Le chocolat est fondu au bain-marie. D'accord. Donc, là, c'est bon aussi. Voilà, on va verser notre lait bien chaud dessus. Et c'est bon. Ouais, c'est tout simple, quoi. Ouais, comme une ganache. Après ça, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on a encore à faire? Alors, pour finir la crème, on rajoute notre crème froide. D'accord. Et ensuite, il nous reste à cuire notre crumble. Et puis après, on n'a plus qu'à dresser. Voilà. Thank you.
y va, on goûte. On y va. Alors avant, tu vas mettre ouais. ta petite infusion, avant, c'est ça? C'est ça, c'est l'infusion, donc verveine. Donc servie froide. Hein. Servie froide, et on verse comme ça sur tout le dessert. Mmh. Ok. Et après, on... T'en mets pas? Si. Ah. Je vais te laisser déguster. Alors moi, je vais prendre un petit peu de carottes et de chocolat blanc, à la limite. Enfin, l'idée, c'est de prendre un peu de tout, je suppose. Ouais, c'est ça, il faut vraiment avoir l'ensemble. C'est excellent. J'aime beaucoup parce que c'est subtil, c'est pas trop sucré et ça reste gourmand. Mmh. T'as vraiment, comme tu disais, tout, c'est-à-dire que t'as le croustillant du crumble, le chocolat blanc avec la petite mousse carotte, c'est parfait. Et t'as de la mâche avec les agrumes. Voilà, moi, quoi. C'est ce que je préfère, c'est la mâche des fruits. C'est ça qui me plaît le plus dans le dessert, même si. Ah non, c'est top. C'est vraiment très, très bon. Merci beaucoup, Julien, pour ton accueil. Merci à toi. Tes recettes qui étaient vraiment des belles recettes et en même temps assez faciles et accessibles, ça, c'est bien. Donc, j'espère qu'on pourra revenir faire une émission ici. Avec plaisir.